Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Skyrim. Alors l'épisode je ne sais plus combien, 69 peut-être? Je ne sais plus. Alors je vais vite descendre cette putain de montagne parce qu'elle va finir par me tuer assez rapidement. Donc je vais vite descendre cette montagne. Je vous dis tout de suite, je vais laisser les gens s'amuser entre eux. Parce que moi je vais vite mourir. Alors, je vais potentiellement mourir 15 fois avant d'arriver à sortir de cette montagne de merde. Attends, il y a quoi ici? Ça descend. Ça descend, mais ça descend vers où? Ça descend et après ça remonte. Alors, on va descendre. On va espérer pouvoir remonter après. J'espère que je serai pas mort. On va esquiver tout ce monde. Putain, il y a plus de dragons et tout. Non, non, j'ai pas le temps, les gars. J'ai pas le temps. Oh non! Il y a un monsieur qui m'envoie des flèches dedans là. Oh là, j'ai une flèche sur la queue de mon cheval. Vais-je mourir? Vais-je mourir? Je ne sais pas. Il me faut un feu de camp. C'est impossible de survivre dans ce froid. Comment vous faites? Vous n'êtes pas emmerdé par ça, vous. Putain, là j'ai des fantômes. Je vais aller jusqu'en bas le plus vite possible. Alors j'ai esquivé le combat. Et on va revenir ici. C'est quoi? C'est une plaque de glace? Bizarre. Ah, bon. Est-ce que ici je vais réussir à me réchauffer? Est-ce que je suis en état de mort? Ah, téléphone. Donc je regardais quoi? Je regardais la magie. Alors, ouais, je suis mort de froid, mais je ne suis pas encore totalement mort. Attends, c'était qui? C'était pas Lydie qui avait un kit pour faire un feu de camp. Manipulation. Échanger, oui. Putain, ouh là, je sais plus comment jouer ce game. C'est pas toi qui l'avais, toi. Merde, je suis mort. Non, ça c'est ce que j'ai moi. Quel con. Non, toi tu as plein de minerais. Manipulation, échanger. Alors normalement c'est ça. Ah, voilà, c'est ça. Normalement, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Ah merde, non. Merde, c'est pas un feu de camp. C'est un petit sac de couchage à la con. Alors par contre, je vais te le rendre. Manipulation, échanger. Et là, tu veux plus me le prendre, tu fous de ma gueule, toi. Il se fiche de moi, celui-là. Ça y est, il commence. Je donnais ça à mon cheval, alors. Et alors, on s'affrichait de devoir traverser la mer par là. Pas trop avoir le choix. Ah oui. On va passer par là. Puis j'allais à Vendôme, s'il vous plaît. J'aimerais bien aller à... Oh, un bateau qui bouge. Il y a deux bateaux qui se rentrent dedans. Oui, c'est un mode, ça. Normalement, il n'est pas censé y avoir deux bateaux qui se rentrent dedans. Vous dessus qu'on peut... Ah, merde. Ça, c'est con. Comment je vais faire pour descendre de cette putain de montagne à la con? Bah. On recommence. Comment galérer en une seule leçon? A pas l'air bien gentil ce monsieur, hein? Pas l'air bien gentil. Bon.
Allez, le premier chargement, toujours le plus long, bien entendu. Hein, ce serait pas rigolo sinon. Voilà. Alors, ce coup-ci, plan B, on court de l'autre côté. Voilà, on va courir de ce côté-là. Sachant qu'il me faut, il me faudrait un, dans l'idéal, il me faudrait un feu de camp. Un feu de camp ou un truc comme ça, ou un brasero, ou n'importe quoi. Un truc qui fait chaud. Sauf que là, il y avait le gros, l'espèce de gros monstre là. Et hop là, on descend. Oh, il y avait le dragon. N'y avait-il pas de brasero? Hop là. Petit vol plané. Double vol plané. Là, non, il n'y a pas de brasero. C'est con. C'est con, c'est con. Dommage qu'il n'y ait pas de potion pour se réchauffer parce que. Et si on boit de l'alcool? Regardez, il est là le grand loulou là. Il est là le grand loulou. Allez, viens mon petit loulou. Comment tu m'as spotted? Non, 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 tu n'as pas le droit. Tu cheats. C'est du cheat. Monsieur, tu vas trop vite. Tu cheats. Oui, je sais, j'ai fait je sais pas quoi, je sais pas ce que je t'ai fait, mais tu m'aimes pas. Allez. Alors, ne faites pas ça chez vous, mais je vais essayer de boire de l'alcool. Alors, non, c'est dans la bouffe. C'est dans la bouffe. Cuvée spéciale ronce noire, allez, boum! Oula, j'ai encore plus fou. Est-ce que ça m'a fait du bien? Je suis gelé. Ok. Ça, je m'en doutais un peu, mais. Putain, non, en plus on chope des bestioles à la con. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Vous allez mourir. Ouais, allez, on s'en fout. On s'en fout. Il y a plein de gens qui sont morts là. Je crois que c'est à cause de moi. Mais. Là, dans cette auberge là. Vite! Courons jusqu'à l'auberge. La petite pousse a repris sa vie. L'auberge qui va nous sauver. Là, elle est fermée. Avec le bol que j'ai. Non, ça va. Ouf! On est sauvé. On est sauvé, on a galéré un peu. Ça reprendra à vouloir aller dans la neige. Bon, c'était spécial Noël aussi, hein. Mais aujourd'hui! Comme ça fait une semaine, forcément. Aujourd'hui, passez le premier dedans. Enfin, c'est le premier dedans. C'est le premier, exactement. C'est le premier. Donc, je vous dis, bonne année. Hein, j'ai oublié de le dire au début, d'ailleurs, je suis totalement zappé. Donc, bonne année à vous. Hein, pas de, Que hein. voulez-vous? J'espère que vous avez pris des bonnes résolutions, tout ça, et voilà, la famille, tout ça, c'est très bien. Et on va se poser quelques minutes auprès du, au coin du feu, là. Hop, on va s'asseoir sur la petite chaise parce que aucun respect. Et on va attendre tranquillement. Ah, j'ai très froid, mais ça y est, je suis plutôt. Plutôt bleu. Ah. Et maintenant je tripatouille le feu en dessous. C'est bien malin de ma part ça. Et il est passé où l'autre? Vous avez un peu froid. Ah tout de suite ça va mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la cuisine. Non? Je peux faire la cuisine? Est-ce que j'ai des trucs à faire en cuisine? Ça m'évitera de perdre du temps à rien faire. Voilà. Jus de tomate, restaure 20 points de jambon. On s'en fout des trucs pourris ça. Du poulet grillé, c'est nul. Du sucre, c'est nul aussi. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc ouais, on va se mettre. Non mais oh, tu vas te calmer toi. C'est quoi ce livre? Châtellerie en bord de sel. Vous vous sentez au chaud. Ah mais ça fait du bien, ça monte vite. Allez, on va s'asseoir sur une peau de chamois là. C'est pas du chamois, je sais. Là, tu peux t'asseoir.
Espèce de glandu. Le glandu, il a la classe quand même. Hein. Le glandu, il a la classe. Bon. Et donc voilà, donc bonne année. Hein. Je me suis perdu dans ce que j'ai dit. Bonne année, toujours est-il. Hein. Prenez de bonnes résolutions. Tout ça. Soyez bien gentils toute l'année. Alcool fort. Contre le foie pendant 3 minutes. Ensuite, vous perdez 25 points de protection. Ah, ça, c'est con, par contre. Ah, en tout cas, oui, ça m'a aidé. Ah, ça, c'est cool, ça va mieux. C'est bien, ça a remonté vite, là. Mais c'est vrai que il me faudrait un kit. Un kit pour faire un feu de camp. En vitesse. Qu'est-ce qu'il faut, déjà, pour faire un feu de camp? C'est survie. Il est où survie? Bon, c'est un truc comme ça. Talent de survie, voilà, il était là. Il était là. Talent de survie. Hop. Monter un feu de camp. Ouais, mais il faut des. Annuler le placement. Voilà. Alors. Voir le statut. Espèce sexuelle 20%, protection contre les dégâts. Bon, elle est pas mal quand même. Résistance au froid 30%, résistance à l'exposition 20%. Rend ours troglodyte. Formation sur le rat. Ouais, donc en fait il faudrait que je. Dans l'idéal, j'ai une hache, il me semble. Hein. Il me semble que je trimballe toujours une hache. De toute façon, j'ai une hache d'ébonite. Une hache, voilà. Du braconnier, donc il faudrait que je prenne un peu de bois. Alors je vais attendre encore un tout petit peu. Je suis au chaud. Ouais, bon, je pense que c'est déjà pas mal au chaud. Surtout que j'ai perdu un collègue à moi. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. C'est pas grave. On s'en fout, c'était que Mercurio. Le mec il cheat avec sa magie. Ah, bah ça va mieux. Ouh, ça va mieux. On y voit moins flou. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un bio par ici pour couper du bois? Ah si, je sais où est-ce que j'en ai vu. Vous êtes à l'aise. Cool. Trop cool. On est à l'aise. On va chevaucher. Je me souviens où est-ce que j'en ai vu un. J'en ai vu un... C'était où déjà? C'était là. À la série d'un... Je me souviens. Et on a deux missions, donc on va revenir tranquillement à Vendôme. Ouais, on va revenir... On va revenir tranquillement en Vendôme, en plus c'est sur la route. Et par ici, on n'a plus rien à faire. Par contre, tuer les spectres de glace, ça va être un peu chaud. Hein. Ça va être un tout petit peu difficile pour le moment, hein, tant que j'ai pas de plus de résistance que ça. Hein. Bon, ouais, démerdez-vous les gars, mais... Hein. Rejoignez-moi à cheval, j'en ai rien à foutre. Je vous attendre un peu quand même. J'avance, hein, j'ouvre la marche. Je fuis. Ah bah il était là, Mercurio. Il s'était caché, ce saligo. Donc on va récupérer un peu de bois, comme ça, ça nous servira la prochaine fois. On essaiera de monter un feu de camp. Et comme ça, ça nous fera... voilà, comme ça, on pourra, la prochaine fois qu'on se tombera dans une situation comme ça, on pourra se défendre. Enfin, on pourra se défendre. N'importe quoi. On pourra survivre, tout simplement. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse... Dorénavant, garder un peu de bois quand on va dans la neige, comme ça on fera un petit feu de camp. Et voilà, et on survivra, tout simplement. C'est joli dans la neige. Mais bon, la neige c'est bien, mais c'est froid. Et le froid c'est chiant. Le froid, on meurt avec le froid. Voilà, on arrive à la scierie, on va faire cette activité passionnante qui consiste à couper du bois. Et on va essayer de faire un feu de camp. Ça, je vais voir un petit peu combien de morceaux de bois il me faut pour faire un feu de camp. Parce que je ne me souviens plus combien c'est. Et je sais qu'il y a un bio ici. Il faut que je le retrouve. Sans qu'il est par ici. Il me semblait qu'il y en avait un. Il me semblait qu'il y en avait un. Déception. Déception. Ah ben voilà, il est là. Les étrangers causent toujours. Bonjour monsieur. On va faire ça. T'as un feu de camp.
va monter un feu de camp ici. Bon, c'est un mode, hein, donc. Monter un feu de camp. Voilà. Activer feu de camp. Il faut 6 tas de petits bois ou 15 tas de bois morts. Donc ça veut dire qu'il faut 15 morceaux de bois. S'il te plaît, mon grand. J'ai aucun besoin de vous parler. Déguerpissez. Va-t'en. Dégage. À la prochaine. Voilà. Dégage. Comment il le vire. Oula. Regardez, j'ai les yeux qui brillent bleus. Oh, c'est chelou ça. On va tester hein, ce que ça fait. Il me faut des allumettes, un briquet, un truc comme ça. Comment ça se fait que j'ai les yeux? J'ai les yeux qui brillent bleus comme ça, ça fait chelou. C'est chelou. Est-ce qu'on peut récupérer le bois une fois qu'il brûle? Est-ce que le feu de camp il reste allumé indéfiniment? Je pose des questions pertinentes. Hein. Non, stop. Calme ton sexe. Arrête. Allez, le dernier t'arrête. Hein. Voilà. Je travaille à la scierie. Je coupe du bois, je transporte les rondins, je scie les bûches, vous voyez quoi. Ouais, tu te fais chier quoi. Ajoutez 6 petits trucs là. Et que voulez-vous faire? Comment ça se fait que je peux pas l'activer? Attends. On va tester ça tout simplement. Non, ça marche pas. Ça aurait pu. Ah sinon, attends, si. J'ai une idée. Tout simplement un sort de feu. Flamme. Ça devrait marcher. Pourquoi tu me l'as pas mis? Ah ben voilà. Est-ce que ça marche au moins? Ouais ça marche hein. Ah ça marche. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Je le saurai comme ça. Commencez à vous réchauffer, ça fait, c'est très très bien. Je vais le laisser là, ce feu de camp. Qu'est-ce que je voulais? On va essayer de me remettre ma hache. Ben, mais c'était deux. Ça y est, j'ai perdu mes repères, je suis totalement perdu. Avec mon bouclier. Et on va faire, voilà, on va couper un petit peu de bois, comme ça on en aura. Et on pourra faire quelques petits feux de camp, je suis désolé, c'est chiant. Bon, bon juste au moins pour en avoir 6, normalement il y a deux... Deux morceaux de bois à couper, ce sera bon. Parce que j'en avais coupé 8 tout à l'heure. Je vais regarder combien j'en ai. Je crois que c'est bon. Hop, j'ai 6 petits bois. Alors c'est bon. On va rester comme ça. Et on va essayer. Comme ça, on essaiera. La prochaine fois, on fera ça. On sait qu'il faut juste un petit sort de flamme et le bois, et ça suffit. Et ça fait du feu, et ça nous sauvera là, probablement la vie plus d'une fois. Donc on va regarder cette petite astuce, et on se fera des petits camps avec, avec des petits feux de camp. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. On va traverser... Non, on traverse pas. Il y a un monsieur là-bas qui a une tête bizarre. On va aller défoncer sa gueule. Parce que moi, je suis comme ça, aucune pitié. Allez, viens. T'es pas entouré d'un halo noir? Non, ça va, t'es un assassin. Ta gueule là, ça, ça. Moi et mon groupe d'élite, tout défonce. Cap de voyage en fourrure noire. Tag. Note de l'assassin de la confrérie noire. Oh, rigolo, tiens. L'assassin de la confrérie noire. On va prendre ça. Oh, elle est sympa en plus, t'as une armure. Montre-moi ce papier là. Il y a des gens qui volent ma mort. Note de la tête de déjà. D'accord. Bon. Quelqu'un veut me tuer. On veut ma mort. Oh, c'est joli avec le rayon de soleil comme ça. C'est tout beau. Bah si, on est obligé de traverser d'ailleurs. On est obligé de traverser. Alors on va appeler les chevaux parce qu'ils sont tous cassés là. Enfin, surtout le mien. Donc on va appeler les chevaux. C'est joli avec le soleil en fond. C'est magnifique. Ah, j'ai cru que... J'ai dit, ça y est, Mercurio, il a paumé son cheval. Oh merde. Ah, il a kiffé mon cheval.
Ouais, tu vas te calmer le sexe, le bandit là. Hein. Tiens, c'est fait pour toi. Armure cloutée, on s'en fout. Tiens, on va prendre ça. Hache de bûcheron endommagé, on s'en fout. Et des sous. J'aime bien prendre les trucs en pot là. C'est rigolo. Ça n'a aucune valeur, mais c'est rigolo. Allez. L'homme à cornes. C'est moi. C'est moi. Je suis l'homme à cornes. Je ne suis pas l'homme au poil, je suis l'homme à cornes. Parce que je le vaux bien. Oh, on va tranquillement se diriger à Vendôme pour rendre toutes les satanées quêtes qu'on a eues. C'est quoi ça? Un poisson? Qu'est-ce que fout un poisson ici? Pourquoi il y a un poisson mort ici là? Il y a un poisson mort devant Vendôme. Alors je sais pas comment il a fait pour atterrir là. Regardez, c'est beau! C'est beau! Avec les effets de lumière! On va laisser nos chevaux ici. Garé en bataille. Garez-vous en bataille. Non, j'ai pas dit en bordel, j'ai dit en bataille. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Vendôme. Comment allez-vous bien aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Moi, j'ai failli mourir dans la neige. Enfin, je suis déjà mort deux fois. Enfin bon, pas grave. Ça n'a aucune importance. Mais en tout cas, les feux de camp, hein. Faut que je pense vraiment à garder des... Si je veux aller dans la neige, hein, il faut que je garde des morceaux de bois et puis quand que je fasse des avant-postes, on va dire, avec des points de repère avec où je mettrai des feux de camp. Ça, au moins, quand je passerai sur ces points de repère-là, je saurai que je peux m'arrêter et me réchauffer à cet endroit-là. Et bon, il va falloir trimballer un sacré paquet de morceaux de bois si on veut en faire, hein, si on veut en faire assez, des points de repère comme ça. Parce qu'aller tuer les spectres des glaces, ça me paraît un petit peu loin. Un petit peu loin dans le froid. Donc bah, on le fera plus tard, hein, tant pis. On gagnera la confiance de Monsieur Vendôme plus tard. J'ai déjà oublié son nom. Pas grave. Pas grave, pas grave, pas grave. Ça n'a aucune importance. On va essayer quand même d'avancer un tout petit peu dans la quête principale. Parce que finalement, on n'a presque rien fait. Et ça, c'est du n'importe quoi. Donc on va quand même essayer. J'aimerais bien que le chargement se passe quand même. Non? Tu pourrais arrêter de te foutre de notre gueule le chargement là? Non mais je te vois là. Non mais je te vois, ça me plaît pas ça. Alors tu vas te calmer tout de suite. Tu te calmes. Voilà. C'est bien. C'est bien. Tu sais qui c'est ton maître. C'est bien. Alors, on va aller voir tout le monde. Ouais, t'as un bio aussi. Ça me plaît. Je m'appelle Nils. Merci. Je suis le cuisinier. Mais je m'en fous. Une violente tempête de neige. Meilleur marteau. Les gens disent qu'Eorlund Gristoison est le meilleur forgeron de bord de ciel. Tiens, j'ai trouvé ton épée. Toujours à fuir. Et t'as vu un peu? Je la remettrai. Allez. Au Jarl plus tard. Quant à vous, je vais vous montrer quelques techniques de forgeron. Je préférerais d'avoir des sous. Non. Faut pas me donner des sous. Rapporter les... Si vous avez besoin d'une armure ou d'une nouvelle arme, pensez à venir me voir. Ah putain! The fuck, c'est quoi ces yeux que j'ai là? On dirait un fantôme. Attends, non, mais regardez, on dirait un fantôme. On dirait que j'ai mis de la couleur au-dessus de mes yeux. Comment ça se fait que j'ai ça? Je vais tout de suite enlever mon casque. Il est où mon casque? Putain, j'ai toujours... Putain, il est bien quand même, mon personnage, hein. Il a une bonne gueule, hein. Bon, on va remettre le casque parce que, hein, il fait froid d'un coup. Allez, c'est où? Non, merde, allez, c'est là-bas. Excusez-moi les enfants, dans l'autre sens. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Vous savez, très froid. Ça va, on est en ville là. The White Piano. C'est l'auberge. Oh, il y a une deuxième auberge avant nous. Je crois que je l'avais pas vu celle-là. J'avais pas regardé celle-là, il me semble. Bon, bah, ça, c'est une auberge en fait. J'ai même pas fait attention. Il m'a semblé, mais. Ah, le chargement, tu vas pas recommencer. Hein. J'ai de quoi contenter tout le monde. Ah non, c'est si un. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Tu veux te calmer, Mercurio, un peu là.
Ah mais oui, c'est vrai, c'était le vendeur. Je n'aurais jamais préparé des potions comme Maître Nurelien. Ouais, c'est bon. Attends, je fais le tour, je fais comme chez moi, hein, parce que... J'ai une bonne maîtrise des potions. J'ai aussi appris à fabriquer des objets magiques. Il est où ton maître? Il est là-haut, je suppose. Le mec, il s'incruste. Je n'aime pas les rôdeurs. Tenez-vous le pour dit. Ah bah t'es là, toi aussi, là, glandu, va. L'alchimie, vous voulez vraiment me déranger maintenant? Ça correspond en tout point à la fiole dont parlent les livres. Mais impossible d'en être certain, puisqu'elle ne peut plus contenir de liquide. Ça, c'est con. Mais comment avez-vous pu l'endommager? Ça m'apprendra à ne pas être allé la chercher moi-même. Ouais, t'es déjà endommagé. Oui, j'imagine. Je ne pense pas que vous ayez suffisamment de connaissances pour endommager cette fiole, même si vous le vouliez. D'écart. De toute façon, ça règle le problème. Maintenant, excusez-moi, je ne suis pas vraiment d'humeur à divertir des invités. Je vous laisse trouver la sortie. Tenez, voilà pour vous. Ah, j'ai cru qu'il allait même pas me... 5 ors ? Non, mais tu te fous de ma gueule ? Mais tu te fous de ma gueule, toi ? Eh, non, mais dans le genre gradin, non, mais... J'espère qu'il va me donner une meilleure récompense, lui, là. Je veux vous remercier pour votre aide. Mon maître n'est pas toujours d'humeur facile. Effectivement, oui, plutôt radin aussi. Qu'est-ce que c'est ? Je le dis. Oh, vous m'envoyez désolé. Bien que la fiole soit endommagée, je pense que vos efforts méritent quand même une récompense. Eh, vas-y. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais m'occuper de Nurelion. Je vais tout faire pour qu'il souffre le moins possible. Combien tu m'as donné? Ah, bah voilà, ça fait plaisir. 500 or. Ah, lui au moins, il est pas radin. Putain, ton patron, c'est un gros radin. Si vous avez besoin de quelque chose, venez me voir. J'ai tout ce qu'il vous faut. Bon, qu'est-ce qu'on avait encore à faire ici? Je ne me souviens plus. J'ai bien envie de changer d'air et d'aller utiliser un chariot pour aller vite et aller vers une grande ville. Je vais regarder un petit peu les quêtes qu'on a. Tu es grelotte, ça je m'en fous. Ça on va l'enlever. Ça on s'en fout. D'accord, rapine. Ça, ok. Ok, c'est quoi la quête enfant de dragon? Non. Ça, ah voilà, c'est ça. La corde de Jürgen Parlement. Elle est où celle-là déjà? Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps. Alors, elle est où celle-là, la petite lolotte là? Retrouver la corne de Jürgen Parlevent, elle est pas loin de Solitude. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déplacement rapide jusqu'à Blanche Rive. On va revenir vers des contrées un peu plus propices. Et on va faire tout ce qu'il y a dans le secteur. Et après, on partira tranquillement. La musique, tu vas te calmer tout de suite. Tranquillement vers les villes un peu plus au nord. Et on va essayer d'avancer quand même dans la quête principale, parce que bon, hein, pas non plus déconner, parce que finalement, on branle rien depuis le début. Tiens, toi, excuse-moi. Il ne suffit pas de jeter les grosses bûches au feu, il faut aussi utiliser le petit bois. Oh, merci. Oh, oui, merci. Oh, salopard. Non, blablabla. Je vais laisser finir de couper, ça il va s'arrêter. Joli petit bois, moi. Voilà. Prenez soin de vous. Ah, comment que je t'ai quoi qui est ta place? Oh, comment t'as pas compris? Je vais en prendre un petit peu plus, hein. Bien le bonjour. Bonjour. Tu sais pourquoi j'ai les yeux bleus fluorescents comme ça? Parce que ça m'inquiète un peu. Je peux vous aider? Oui. Tu sais où est-ce qu'il y a un médecin? Parce que ça, je dois bien dire que c'est un tout petit peu étrange. Mais ça va, tu vois, oui, je viens de te le dire. Tu me répètes encore une fois, attention, hein. Je peux vous aider? Ouh, attention toi. La prochain coup de hache, il va dans ta gueule. Allez, merci mon grand, ça ira. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je peux faire deux feux de camp comme ça. Et ça fait plaisir. Allez, on se casse les gars. On va prendre un petit chariot. Je crois qu'il y a un chariot. Il y a un chariot au bord du ciel. Ah, Vadom. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens. Oui, si, il y a un mec avec une charrette là au bout là-bas. On va aller le voir et on va se téléporter magique. Enfin non, on va prendre la charrette tout simplement pour aller à Blanche Rive. Et on reviendra voilà vers une zone un peu plus tempérée, un peu plus sympathique. Et voilà.
j'aimerais bien que tu te mailles un tout petit peu. Blablabla. Putain, décidément, aujourd'hui, les chargements, ils sont pas... Hein, ils sont pas d'accord. Hein. Putain, on va presque passer plus de temps en chargement qu'autre chose. C'est bien passionnant, les petites infos qu'il y a marquées en bas, mais quand même. On n'est pas là pour les infos, quoi. Allez. Ouais, je sais, je suis feignant. Je prends le cheval pour aller au bout du pont, mais... Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. En plus, il fait une tempête de neige. Et j'en ai marre de la neige, bordel. Je veux aller... Y a pas du sable, un truc comme ça. T'es qui, toi? T'es habillé bizarre, là. T'as pas froid comme ça. Putain, moi, je me congèle alors que j'ai une grosse moumoute sur la gueule. Et la femme, elle est habillée comme ça. Une tempête de neige, tranquille. Elle a pas froid. Monsieur, bonjour. Je peux vous conduire à n'importe quelle capitale. Où souhaitez-vous aller? Je souhaite aller... Blablabla. Où est-ce qu'on pourrait aller? À Blancherive. Ça paraît bien. Ouais, on avait dit Blancherive. Blancherive, ou alors on essaie de se rapprocher un peu? Et on fait... Mortal. Et je n'ai jamais vu Mortal. Je viens, voilà, je suis claqué, je n'ai jamais vu Mortal. Mais Mortal, c'est 50 pièces d'or. Pourquoi tu me dis ça si cher? Barkar, c'est encore plus loin. Fous de ma gueule, toi. Bon, Bétoile, c'est juste à côté. Fort-Hiver, c'est juste à côté, c'est plus cher. Oui, mais le chemin est plus difficile. Ah non, mais rien à foutre. Mortal est pas plus compliqué qu'aller à Solitude. Hein. Blablabla. J'avoue que je ne sais pas trop, mon grand. Excuse-moi, je fais mon choix, je fais mes petites courses. Si on va à Mortal, on sera à côté de la... Allez, on va aller à Mortal. Allez, on va aller à Mortal. Tant pis. J'ai menti. On peut emmener les chevaux avec nous? Un peu de neige ne m'a jamais arrêté. Allez, rentrez la petite loulou. Voilà. Voilà, comme ça, ouais, on va à Mortal, comme ça, on est à côté de la corne de Jürgen par le vent. Et puis, comme j'ai jamais vu Mortal, voilà, c'est... Ouais, je sais. Non, mais je sais. J'ai jamais vu Mortal. Non, mais je sais. Mais comment ça se fait que t'as pas vu Mortal? Bon, j'ai déjà vu Solitude, ça, bien entendu. J'ai vu Markar, j'ai vu... Épervine, est-ce que j'ai vu Épervine? Je me souviens même plus d'avoir vu Épervine. Après Fort Hiver, je m'en souviens même plus. Je crois que j'y suis allé une fois. Je m'en souviens pas. Au Bétoile, pareil, je m'en souviens pas. Je crois pas y être allé. En fait, il y a plein de choses que j'ai pas vues. J'ai fait une petite moitié du jeu. Même pas, j'avais déjà fait une petite moitié du jeu. Allez, chargement, tu vas te manier le cul là. C'est bon, il n'y a plus de neige là. T'as plus à charger de tempête de neige et tout ça là. Alors tu vas te calmer un peu. Et je vais tout de suite me mettre le machin chose. La ville. Quoi, elle est pas dans la neige d'ailleurs? Elle est pas un petit peu dans la neige? Non, elle est plus dans la neige celle-là. Bon, tu sais, elle est plus froide la nuit. Oh, je m'étonne. Heureux. Alors désolé, ça m'a fait un petit bug. Alors j'ai juste refait le truc pour aller jusqu'à la ville et... Enfin, jusqu'à faire le... Le chariot jusqu'à la veille, donc, et nous voilà à Mortal. Donc il fait encore la tempête de neige à Mortal, c'est impressionnant ça. Et oui, on est à la limite de la neige en fait. Comme ça, on est juste à côté de Jürgen par le vent. Et comme ça, on sera pas très loin pour faire la mission principale. Qu'est-ce que le Jarl va faire à ce sujet? Ici. Qu'est-ce qui se passe? Une bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous battez là? Calmez-vous. Non, je veux pas aller dans la neige. Dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qui ça? Un bandit. Qu'est-ce qu'il foutait là? Je me sers. Hein. Voilà. Bon. Soit.
Donc on va revenir là-bas, hein. Ça va pas assez intéressant. C'est sympa ce petit village là, un petit moulin, tout ça. Petit pot de neige, je sais pas si c'est pas là. Vous parlez peut-être aux gardes? Salut camarade. Licorne sur la tête le monsieur. Dans ce cas, je m'en vais. Casse-toi. Alors je sais qu'ici la maison du Jarl, elle est pas grande. Elle est toute petite. Il y a des gens ici. À moins que ça concerne la Syrie, je n'ai pas le temps de bavasser. J'ai trop à faire. Allez. J'imagine que vous avez vu qu'une maison avait été incendiée. Étrange histoire. Ah ouais? Sans oublier les bruits qui viennent des marais à la nuit tombée. Ces histoires de monstres. Et maintenant, ce mage qui vit parmi nous. Un mage? Que faire si on ne peut plus se tourner vers notre Jarl pour nous aider? Je suis là. Le monde devient fou. Et que fait notre Jarl? Elle se cache à l'intérieur avec ses visions. C'est un vrai chef qu'il nous faut, pas une mystique. Comment le pourrais-je? Elle ne nous parle jamais. Et elle a autorisé Falion, le mage, à vivre parmi nous en pratiquant je ne sais quoi. Ah. Et maintenant, il y a des rumeurs de rébellion et de dragons. En quoi Idgrod pourrait-elle nous aider? Non. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Vous feriez bien de ne pas l'oublier. Bon, bah, je pense qu'on va faire un petit tour. Bonne journée. Pour aller voir cette Jarl. Gardez la tête froide. Mortal est tout sauf un endroit sûr. Ouais, pourtant, ça a l'air plutôt bien. Je dirais que la plus grande maison, vous c'est. Voyez ces guerriers de l'enclume. Ils ont des épées à lame courbe. À lame courbe, oui. Oui, ça, je suis au courant. Ça. Si vous êtes en affaire avec le Jarl, vous devrez d'abord passer par moi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais voir le Jarl en personne. Parce que j'ai compris la Jarl, parce que c'est une fille. C'est une femme? C'est une femme? Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais même pas du tout. Et on va voir ça ensemble. Bonjour, bonjour. C'est une femme. Oh putain, t'es vieille. Ainsi, la vie a conduit vos pas jusqu'à Mortal et jusqu'à moi. C'est ça. Dans quel but? Nous le serons bientôt, à n'en pas douter. Bienvenue. Les divins me révèlent parfois des choses. Oui, je ne m'en cache pas. D'accord. C'est un don. Ceux qui pensent le contraire ne sont pas en mesure de comprendre ce talent. Oui. Allez. Ma position est toujours la même. Mon cœur est immortal. Ce n'est pas le moment de s'entre-déchirer. Je crains que des temps obscurs n'approchent et qu'il faille mobiliser les forces de tout bord de ciel. Ah oui, contre quelle menace? Les dragons? Et à moi? L'inconnu peut susciter le malaise, voire la peur. Il fallait s'y attendre. Certains redoutent notre nouveau résident qui est sorcier. Une fois qu'ils auront appris à le connaître, ils l'accepteront. Le temps me donnera raison. D'accord, c'est tout ce que je peux dire avec toi. Mmh. C'est nul. Tu n'as pas de garde. C'est assez étonnant. Ah, bonjour monsieur. Je fais tout mon possible pour qu'Idgrod ne perde pas son temps à s'occuper d'affaires mineures. C'est ce que tout le monde recherche ici. Une vie tranquille sans les problèmes de la vie citadine. Certains craignent que ce sorcier, Falion, n'y mette fin. Pourquoi donc? Ah, vous en avez été témoin. À peu près. La vie immortale n'est plus la même. Les habitants sont inquiets. Ils attendent clairement des décisions du Jarl. On parle d'une rébellion contre l'Empire. Le soir, les marais résonnent de clameurs étranges. Mmh. Et puis il y a eu cette tragédie, chez Rogar. Les hommes ne cherchent qu'un peu de sagesse. Tout ira bien. Bah, je peux peut-être aider. Le Jarl recherche le dragon qui terrorise les campagnes. Ah. Sa tête est mise à prix. Consultez ce décret pour en savoir plus. Cool. Putain, il a mis à prix la Dans tête cas, d'un dragon. Bien. Lui, c'est un bon. C'est joli les effets de lumière ici chez vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite sauvegarde. C'est joli aussi chez eux. Voilà. C'est joli chez eux. Mortal, c'est sympa, c'est stylé. J'aime bien. Blablabla. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Alors, il est où ce. Ce monsieur là? Une auberge, j'ai rebâti une auberge là. Ou est-il pas d'une auberge? Ah oui, la maison qui a brûlé, elle est là. Elle est là.
Effectivement, elle a brûlé, je confirme. Par contre, c'est une ville un peu pourrie parce que c'est à moitié dans le marais. Auberge du marais du quoi? Du Moresque. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, cette auberge? Bonjour. Je peux vous aider? Non, tu n'as rien à me dire, alors, ça ne m'intéresse pas. Bonjour. Il y a un problème. Quel est ton problème? Je m'inquiète pour Ygrod et je ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Quel problème? Elle est perdue dans ses visions. Et ça ne fait qu'empirer. Je m'occupe d'elle depuis si longtemps. Si elle ne peut distinguer le rêve de la réalité, comment va-t-elle continuer à diriger Yalmarsh? Je crois que oui. J'ai une lettre que je garde depuis longtemps maintenant. Je crois qu'il est temps de l'expédier. Je dois rester ici aux côtés d'Idgrod. Pourriez-vous faire en sorte qu'elle parvienne au capitaine Aldis à ce moment-là? Bien entendu, par contre, je te garantis pas le temps que ça va prendre. Merci. Je vous en prie, ne l'ouvrez pas. C'est... Elle est folle. Bon, très bien. Changez-la, elle est folle. Sans me vanter, je suis le meilleur guerrier de Mortal. Vous voulez que je vous le prouve? Je parie 100 pièces d'or que je peux vous battre à main nue. Ouais, j'ai pas envie. Buveur de lait. Pour une me battre. Oh, ma foi, vous savez, un peu de ci, un peu de ça. Ils ne m'ont pas nommé garde comme je l'ai demandé. Alors pour l'instant, je fais des petits boulots. Je pense qu'il vient. Quoi, tu t'en vas pas? Bon, très bien. Oh, la chaleur d'un feu de camp. Un feu d'auberge. Bonjour. Pas tout de suite. Il y a du nouveau? Bienvenue au Moresque. Je suis dans le coin si vous avez besoin. Je suis ravi d'avoir un client. Ah, ça t'arrive pas souvent. Alors. La maison de Rogar, elle a brûlé il y a quelque temps. Toute sa famille a disparu. Leurs cris ont réveillé la moitié de la ville. La plupart des gens ne s'en approchent plus. De peur qu'elle soit maudite. Ah, pourquoi? Rogar prétend que sa cheminée a pris feu. Mais les gens disent qu'il l'a déclenchée lui-même. C'est ce qu'on dit. Ouais. Vous savez, il vit avec Alva maintenant. Et ce depuis le lendemain de l'incendie. Ouais. Emménager avec sa maîtresse au lendemain du décès de sa famille, ça ne se fait ouais, pas. C'est vrai que ça fait un peu... Voilà. Notre Jarl aimerait bien savoir s'il est responsable et serait même prêt à payer. Vous cherchez Falion? Allez plutôt embêter les mages là-bas, dans leur académie de fort d'hiver, et laissez mon frère tranquille. Ralenti? Non, elle est juste inexistante. D'accord. Il y avait déjà assez peu de raisons de s'arrêter à Mortal avant la guerre. Eh bien, disons que la grande porte n'est pas très usitée. D'accord. L'Urbuk? Il se prend pour un barde. Comme il paie, je l'autorise à rester. Si j'avais des clients, j'aurais peur qu'il les fasse fuir. Mais là, voyez-vous-même. Ouais, bon. À la prochaine. Putain, on est nombreux quand même. Ce n'est pas le putain, grand j'ai but, défoncé les lapins. Si vous cherchez un endroit au sec pour passer la nuit, je vous loue une chambre. Non, c'est bon, ça ira. Du moment que j'ai un petit peu de... un feu à côté de moi, ça va. Ça me réchauffe, ça va. Ça va très bien. Qu'est-ce que c'était que ça? Au combat! À l'assaut! Qu'est-ce que c'était que ce bruit-là? J'y ai bien réfléchi. Oui, enfin... Si ça se trouve, c'est moi, l'enfant de dragon. Oui, c'est ça. Mais je ne le sais pas encore. Bizarre, ces oiseaux-là. Ils volent vachement bas. S'il vous faut du... Jorgen et moi travaillons vraiment dur, sans arrêt. Mortal nous est vraiment très cher. Non, non. Enfin, ça peut arriver, mais en l'occurrence, ce n'est pas le problème. Je suis généralement peu occupée. Il m'arrive donc de faire des essais. Ça ne marche jamais, mais au moins je tente le coup. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que mon stock est presque épuisé. C'est des loups, ça, non? Ouais. Ça vient d'où, ce bruit-là? Regarde. On voit solitude là-bas. Tu me laisses le temps de faire. Mon cheval, tu vas éviter de te casser, s'il te plaît. Oh, je regarde là. On va prendre la petite torche. On va prendre le petit cheval. Avec... Oh, effectivement, c'est inquiétant. Wow! Peut-être calmer le sexe avec ta trompette, toi. Hein, c'est quoi qui fait des bruits comme ça, là?
Allez. Faire un petit tour, les gars. Oh, ça c'est... À l'assaut. Loup-garou. Fantôme. Rien à foutre. On casse tout, nous. En plus, avec les grelots de la mort, là. Ah! Qu'est-ce que c'est? Tiens, mais on s'en fout. Ah, c'est quoi ça? Ah, des charnus. Ah, oh, ouais. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Attendez, laissez-moi deux petites secondes. Ouais, bouffe pas mon cheval, sinon je te pète ta gueule, moi. Y'en a un autre. Y'en a un autre, y'en a un autre. Il est où? Il est là. Il se cache. Mais qu'est-ce que vous faites? Désolé, je t'ai mis un petit coup de hache, ça va, tu vas te calmer un peu. Bon. C'est bien ce marais, il est joli. Ça fait un tout petit peu sinistre, mais sinon à part ça, c'est très bien. Bien. Il est du plus bel effet. On va chercher, hein. D'où ça vient ces cris là? On va regarder qu'est-ce qu'il y a au milieu là. Ça m'intrigue. C'est un marais, on peut y aller à pied comme ça. Oui. Bonjour, bonjour. Ah, le méchant. Encore du méchant, plein de méchants. Beaucoup de méchants. C'est fait défoncer le règne. Prends un autre. Il est là. Il y en a plein ici des grelots de la mort. On va prendre les pierres là. Enfin, on va aller voir les pierres. Parce qu'on peut pas les prendre, hein. Je peux pas les porter, ma poche elle est trop petite. Est-ce que je me dirige? Non, pas du tout. En fait, je me dirige pas du tout vers là où je devrais aller. Ouais, c'est totalement à l'opposé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour... On cherche la source du bruit. D'où vient-il? Que fait-il? Pierre de l'apprenti, bonjour! Chien! Chien sauvage ancien. C'est toi le chien sauvage ancien? Pierre de l'apprenti. Non, annulé, annulé, je veux pas, je veux pas, je garde mon bonus. Je garde mon bonus. M'intéresse pas celui-là. Alors ici on a une maison, là on a un fort, c'était le fort qu'on voyait tout à l'heure. Il y a de la lumière dedans, c'est-à-dire qu'il y a des gens. Et comme il est à l'extérieur de la ville, c'est qu'il veut dire qu'il y a des gens à tuer. On va se diriger tranquillement vers la petite baraque qu'il doit y avoir dans ce secteur-là. Et on va aller faire la... Oui, on va aller après vers la tour. C'est sympa la nuit, le marais. C'est un peu glauque, tout ça. C'est sympathique. L'ambiance est bien. Il y a des petits papillons chez Mignon. Ah, par contre, là, il va falloir traverser la flotte, là. Est-ce qu'on peut passer comme ça? Oui, on peut passer comme ça. Oh, merde. L'eau est glaciale, ouais, mais ça va, je sais, mais. J'y peux rien, moi, c'est pas ma faute, hein. Je vais pas mourir, au moins. Non, ça va. Ça fait très froid, bah ouais, je sais, mais. Excusez-moi, mais c'est pas ma faute, là. Qu'est-ce que c'est? Je tape sur quoi, là? Il y a un animal sauvage, là. Ah bah, c'est un. Une araignée. Bim! Petit coup de hache. Petit coup de hache qui va bien. Il y a une maraque par ici là. On va aller voir ça de plus près. Là, un peu plus dans la forêt. C'est bien joli ce marais là. Regardez un peu ça. C'est joli quand même. C'est stylé. C'est stylé le marais la nuit.
C'est bon, j'ai trouvé la maison. Trouvé la maison dans le noir. Cabane de Meko. Ça me dit quelque chose, ça, Meko. C'est pas un chien, ça? C'est pas un chien, Meko? Ah non, c'est un monsieur. Un nordique. Un nordique qui est mort. Qui a une lanterne. Et qui a un journal. Un journal. On va le prendre ça, ça peut servir. On va prendre le pain. Regardez ce qu'il y a dans la table basse. Parce que nous on est un pilleur, hein. On n'a aucune pitié. Prendre ça. Prendre du lapin. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Des carottes, c'est bien les carottes. Lance du feu, éloquence, merci, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tonneau? Des choux. Parfait ça, des choux. Sauf qu'il y a un monsieur sur le lit, alors on peut pas dormir ici. Mais bon, on va quand même rester là. On va quand même rester là et je pense qu'on va quand même s'arrêter ici pour cet épisode. Voilà, on se met au-dessus de là pour avoir une belle vue. Voilà, une belle vue sur ce marais. Le marais hanté, on voit solitude en fond là-bas, c'est magique. C'est beau. Si j'enlève ça. C'est beau, on est éclairé par nos potes, on voit solitude en haut de là, le palais bleu, il me semble que ça s'appelle comme ça, le palais bleu de solitude. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, déjà ça passe vite, j'ai toujours les yeux fluorescents, regardez de loin, ça fait bizarre, on dirait un extraterrestre. Je ne sais pas pourquoi, c'est les clignotants, un coup à gauche, un coup à droite. C'est totalement bizarre, comment ça se fait que j'ai les yeux comme ça? C'est bizarre, ça doit être probablement un petit bug. Bon, toujours est-il qu'on va s'arrêter ici, je suis gelé, comment ça se fait que je suis gelé? Fous de ma gueule. Tu te fiches de moi, toi. Alors, on va utiliser la technique. La technique de Yukunji Shuka. On va faire un feu de camp. Talent de survie. Et on va monter un feu de camp. Tu vas te calmer le sexe, le feu de camp. On va le mettre ici. Voilà. Attends, retour. Voilà. Montez le feu de camp. Ajoutez des tas de bois. Et on va on va allumer le feu. Voilà. Je suis trempé. Comment ça, je suis trempé? Oui, effectivement, je suis trempé. C'est pas grave. Voilà, on a fait notre petit feu de camp qui nous sauve la vie. Voilà, et en plus, il allait se coucher, donc on commençait à vous réchauffer. Voilà, ça fait plaisir, un feu de camp. Regardez, un bon petit feu de camp. Voilà, on se met tranquillement, là, avec nos yeux toujours luisants. Vous pouvez enlever les torches, les gars. Mais je suis quand même mouillé, mais c'est pas grave, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Voilà, je vous dis merci de m'avoir regardé. Mettez-moi un petit like si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et à regarder d'autres vidéos, si jamais vous n'êtes pas que intéressé par du Skyrim. Hein. C'est bien, je fais aussi autre chose. Plein d'autres choses, enfin pas forcément plein d'autres choses, mais je fais aussi d'autres choses. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, bonne année, hein, si vous regardez cette vidéo... le 1er janvier, bonne année à vous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Skyrim ou sur un autre jeu. Ciao !